מבינים שוכני עפר עפרת רבנו הקדוש תדיק יסוד עולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן מן פגה ושמחה נח נחמן נחמן לאומן זכותו יגן עלינו בישראל אמן ערב טוב ערב טוב עצוץ בעזרת השם זה נשמעיה אנחנו רוצים פחות אחרי השיעור ליקוטי מוהר"ן ליקוטי הלכות רבנו רבי נתן on essaye de toucher à chaque fois de se remplir de la lumière de רבנו pour continuer à puiser dans cette Torah là. Mamash, on ne réalise pas, mais celui qui a un peu de Rabbeinu dans sa vie, il n'a pas besoin de grand-chose d'autre. Je me disais ça, mais la première chose qu'il m'a dit, c'est est-ce que tu es Tchalouman, est-ce que... C'est comme si tu es dans cette catégorie-là, ça va, c'est pas grave, tu es déjà entre de bonnes mains. Et bon, tov, Bezrat Hashem. Ça veut dire que Mamash, on doit remercier Kadosh Baruch Hu de pouvoir étudier la Torah de Rabbeinu, de pouvoir l'enseigner encore plus, de pouvoir la comprendre et de la vivre. C'est pas mouvan me'elav, c'est pas normal. C'est pas quelque chose, c'est pas tout le monde qui a l'accès à la Torah de Rabbeinu et Rabbi Nachman. Et il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu pour ça, comme pour tout le reste d'ailleurs. On sait que c'est la paracha de la semaine, c'était Chayei Sarah. Et dans cette paracha-là, c'est écrit que Sarah, elle, on l'a compté ses jours, ouais. Alors c'est écrit 100 ans, et après c'est écrit 20 ans, après 7 ans. Alors Rashi là-bas, il explique pourquoi. Parce que 100 ans, elle était sans faute comme à 20 ans, et 20 ans, elle était belle comme à 7 ans. Comme ça, il dit Rashi. Mais il y a une autre explication qui veut de dire que Sarah, elle est on sait que quand on finit ce monde-ci, c'est l'une des raisons pour laquelle Abraham n'a pas tellement pleuré, c'est que c'est qu'une porte pour le monde à venir, ouais. Quoi ? C'est-à-dire, il voyait beaucoup plus loin et il avait pas, et il voulait montrer au monde entier que ce monde-ci, c'est pas la finalité, que c'est juste une porte d'entrée pour le monde à venir. Et quand quelqu'un il arrive à son entrée à la porte ou dans sa porte au monde à venir, alors il vient avec tous ses jours. Tous les jours qu'il a réussi, chaque jour on a une relique de Neshama, on a une partie de notre Neshama qui doit être réparée. Et c'est pour ça qu'on va des fois à Yerushalayim sans le savoir, mais c'est parce que cette partie-là a besoin d'être réparée, mamache comme ça. Enfin, elle a besoin d'être réparée à Yerushalayim et pas ailleurs. Des fois on rencontre des gens et ça fait partie de la réparation de ce relique-là de Neshama. C'est pour ça que très 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 souvent il ne faut jamais s'énerver ou se rebeller contre les événements. Les événements c'est Hachem qui les décide. La volonté, on a dit plusieurs fois, notre volonté c'est nous. Où on se retrouve dans la journée, ça c'est Kadosh Baruch Hu qui décide. Alors on voit dans la vie de Sarah et dans la vie d'Avraham que le Zohar il dit que quand Avraham il a voulu enterrer Sarah au Kamarat Amarpella, dans le caveau des patriarches, là-bas il y avait déjà Adam Arishon et Chava. Et Adam Arishon et Chava sont venus voir Avraham et lui ont dit la vérité, est-ce que c'est possible que tu ne n'enterres pas Sarah ici? Alors Abraham il a dit pourquoi? Alors il a dit parce qu'on a honte. Comment on a honte? Il a dit non, on a amené la faute, on a amené la mort dans le monde. Sarah elle c'est une tzadéquette, elle est morte qu'à cause de nous. C'est honteux pour nous. Alors Abraham il a dit à Adam, nous aurait dit que Abraham il a dit à Adam. Il lui a dit au contraire, on est venu réparer ce que vous avez fait. Alors on est venu metaken Sarah avec de la katnerot, l'image des bougies qui restait de semaine en semaine, avec la chala et la nida, parce qu'on sait que aussi elle faisait la nida, même si elle n'avait pas eu d'enfant, etc. Elle respectait la nida pendant toutes ces années. Eh bien, elle est venue réparer la faute de Chava et Adam et Abraham est venu réparer la faute d'Adam Arishon. En tout cas, une partie de la faute qui est celle de la Vodazara, puisqu'il a écouté le serpent qui est une partie de la Vodazara. Après, Yitzhak est venu réparer une autre partie de la faute, qui est Shfichut Damim. Et Yaakov, il est venu réparer la dernière partie de la faute, qui est Giloui Ariot. Et comme ça, ils sont venus. Chacun de nous, on continue à réparer, oui. Alors, mais nous, on n'est pas tous enterrés à Marat Amarpella. Mais Avraham Avinu, c'était celui qui était capable de. Alors il lui a dit, au contraire, on est venu réparer. Alors quand ils ont entendu ça, ils ont été calmés, ils ont accepté que Sarah elle soit enterrée avec eux. Et donc Sarah, il faut comprendre, on n'en parle pas beaucoup dans la Torah, mais c'est quelqu'un de mamache extraordinaire, dans le sens que c'est une grande, grande sadéquette. Mais c'est surtout quelqu'un qui a réussi, excusez-moi, dites-moi si vous entendez bien,
qui a réussi à amener ses jours avec elle. Chaque jour, elle a réparé, comme Abraham, il est venu, Baba Yamim, il est venu avec ses jours. Et ça, c'est la vraie réussite d'un homme. On parle beaucoup de réussir sa vie dans ce shiur. Alors, réussir sa vie, ça veut dire que chaque jour, on a fait le maximum qu'on pouvait, on a donné le maximum, on continue à être sa meilleure, on a continué à être joyeux malgré tout, on a continué à ne pas s'énerver contre la réalité qui nous est imposée par Akadosh Baruch Hu. On a réussi à maintenir. C'est pas forcément qu'on est 100, à 100% à chaque fois, mais il y a une réalité qu'il faut une acceptation de la réalité et faire face à ça. Aujourd'hui, on est un chélek de Neshama, on a une partie de notre Neshama qui a besoin d'être réparée. Et cette réparation-là, elle vient à travers les événements de la journée. Et à la fin de la journée, on fait vidouille de varim, on avoue nos fautes qu'on a faites dans la journée, on rend cette partie de Neshama. Et cette partie de Neshama, elle nous attend à 120 ans, à la porte d'une autre Gan Eden, elle veut rentrer avec nous. Et donc c'est, on le répète à chaque fois, mais je pense que ça ne sera jamais assez dit que la vie, elle est oppressante. Des fois, souvent, c'est difficile. Des fois, souvent, ça va contre notre volonté, contre ce qu'on pensait qu'être à 30, 35, 40, 45 ans, 50 ans, des fois, on voit la vie, on dit, mais jamais j'aurais pensé que ça allait être comme ça. Mais parce que c'est Hachem qui décide, et Hachem, il sait ce qu'on a besoin, mamash. Mais nous, notre responsabilité, c'est la réaction et de faire face à cette réalité-là. Alors, regardez ce que dit Rabbeinu dans la Torah qu'il nous a ouvert ici, Gamliel. La Torah 49, si alors c'est sa faute, s'il y a quoi que ce soit. Alors voilà ce qu'il dit. Qui kodem abria. Si ça pour du bien, alors tout mérite il est bon. Voilà, toi, il est bon. Tu vois, c'est pour ça, tu vois, moi j'ai vu que le mauvais, toi j'ai vu que le bien. Chazakoubaour. Qui kodem abria. Donc, avant la création, Aya or akadosh baourou ensof. Hachem, on sait, il était infini. Enfin, il est toujours infini. Mais ça veut dire sa lumière, elle remplissait le monde sans limite. Il n'y avait pas de limite chez akadosh baourou. On va voir pourquoi, c'est quoi ce terme de limite. Et on a dit déjà que la volonté d'Hachem, quand il a créé le monde, c'est de dévoiler sa royauté. Mais on sait qu'il n'y a pas de roi sans peuple. Donc c'est pour ça qu'il fallait un peuple. Donc il nous a créé. Mais sinon, mais il était déjà roi. Qu'est-ce que ça veut dire, il était déjà roi? Ça veut dire que, comme dans l'histoire du Rabbeinu, il rapporte dans l'histoire des fils échangés, il y avait le fils d'un roi et le fils d'une servante. Ils ont été échangés dans le berceau. Ouais, c'est dans les contes. Le fils du roi, même s'il était dans la maison de la servante, il gardait les manières du roi. C'est-à-dire, c'était quelqu'un avec une adinout, il était propre sur lui, il parlait bien. Mais aussi, il est la servante, il était dans la maison du roi, mais c'était un fils de servante. Il avait toujours les pantalons déchirés, il courait partout, il se comportait pas comme un. Donc, on voit de là que des fois, et encore aujourd'hui. Non, pas seulement. On voit que la place d'un homme, souvent, encore aujourd'hui, on est déplacé. On voit que le peuple d'Israël est un peu partout dans le monde. Il est soumis aux nations. Il n'a pas sa place correctement, même dans le peuple d'Israël, même en Israël elle-même. On voit que c'est à four au niveau du gouvernement. C'est à four, ça veut dire que c'est au contraire de ce que ça devrait être. Même au niveau de la même Shala, même au niveau de ce qui a de l'importance. Même ici, même en Israël, moins qu'en Koutslarès, mais quand même, il y a cette non-compréhension ici aussi, et c'est pas grave. C'est pas grave. L'essentiel, c'est de garder notre adinout, notre comportement de fils de roi. C'est-à-dire de pas se laisser absorber, assimiler. On sait, la plus grande. Plus que la mort physique, la plus grande peur qu'un juif doit avoir, c'est la mort spirituelle, c'est l'assimilation. C'est-à-dire devenir un de plus dans le monde. Qui n'est pas celui qu'il devrait être, qui est le juif, celui qui vient amener la lumière dans le monde, qui vient se comporter avec dignité, avec honneur, avec droiture, avec vérité, avec justice, je sais pas trouver les adjectifs, mais tout ce qui est un juif doit représenter, parce qu'Avraham Avinu, il l'a amené dans le monde. Il était tout seul, Avraham Avinu, il est ivri. Pourquoi on l'appelle ivri? Parce que hiver, il était ivri, pas hiver, c'est-à-dire ivri, ça veut dire qu'il était d'un côté du fleuve, et il y avait de l'autre côté, il y avait tous les autres. Ça veut dire Avraham Avinu, il était ça, il était quand il vient pour acheter le Mamata Marpella à Ephron, et il dit, moi je suis un étranger chez vous. Qu'est-ce qu'il lui répond? Non, toi tu es un Ish Elohim, toi tu es un homme de Dieu, toi tu es un prince chez nous. Ça change rien quel titre tu as ou combien d'argent tu as, c'est qui tu es. Et ça c'est l'individu, il doit garder ça en tête, que parce qu'il est juif,
c'est pas de la gava, c'est pas de l'orgueil, mais il a une adinout, il a une dignité qui est au-dessus de la normale, qui est au-dessus de la réalité que n'importe qui peut atteindre. Et malgré qu'il peut être dans les bas-fonds du monde, ça ne change rien. Il a une dignité, il a une mila, il a une âme juive, une lumière qu'il peut à tous les instants débloquer, allumer, même s'il est au plus bas-fond du monde. Et donc là, on voit quoi? On voit qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce que ça veut dire? Il était roi avant la création. Mais si on a dit qu'il n'y a pas de roi sans peuple, mais il avait les traits d'un roi, c'est-à-dire Hachem, c'est un roi. Même s'il n'y a personne pour lui reconnaître comme roi, il reste roi parce que il a la dignité du roi, il a l'honneur du roi. C'est comme les leaders dans une communauté ou dans un business. Ouais, tu vois le leader, il a les traits de caractère du leader. Même s'il n'y a personne qui le suit, mais ça reste un leader. Il veut interposer ses idées, il est là, il motive, etc. Donc la même chose, Akadosh Baruch Hu, il était roi même avant que le monde il existe. La seule chose, c'est que sa royauté n'était pas dévoilée. Donc. Il a créé un peuple. Donc maintenant, si ce peuple qu'il a créé, c'est-à-dire nous, on va contre sa volonté, on va contre sa royauté, alors à quoi ça sert la création? Elle sert à rien du tout, parce qu'on vient de ce que dit Rabbeinu ici, c'est que la création, elle a été faite pour dévoiler la royauté de Dieu. Donc si maintenant nous, on va contre la royauté de Dieu, on se rebelle contre Dieu, on ne le prend pas comme roi, on l'accepte pas comme roi, Rosh Hashanah d'ailleurs, c'est ça tout le but de Rosh Hashanah, c'est de l'accepter comme roi, même toute l'année. Donc si maintenant on fait pas ça, alors on va contre la justification de la création. On va contre la création elle-même. Alors il dit ici, comme on a dit, il n'y a pas de roi sans peuple. Et maintenant, donc pour qu'il y ait un roi comme on le connaît, c'est-à-dire un roi qui a un peuple, il fallait créer l'homme. Donc il a créé l'homme. Chez Kablou, en le Malchuto. Et quel est le but de l'homme, ou pas l'un des buts de l'homme, ou l'essence de l'homme, c'est d'accepter la Malchut, la royauté de Dieu. Et c'est toute l'idée de Kriyat Shema. Pour moi, c'est important de faire Kriyat Shema en son temps, le matin et le soir, parce que c'est Olam Malchut Shamayim, on prend sur nous le Olam Malchut Shamayim. La Gemara, elle dit, quelqu'un qui fait juste Kriyat Shema le matin et le soir, il a fait la Matat Torah Valayla, Yomam Valayla, il a au moins fait le minimum du minimum du minimum d'étudier la Torah le matin et le soir. Donc, on voit l'importance du Kriyat Shema, parce que toute l'idée, elle est que c'est Ol Malchut Shamayim, c'est l'acceptation du jour divin. Mais Galul Malchuto, il afchar le Asig, elle a l'aider à Midot. Maintenant, comment on fait pour qu'un homme, comment un homme il peut, ça c'est magnifique comment Rabbeinu toujours il ramène à l'essence même des choses. Il dit comment un homme il peut, comment il peut révéler, il peut accepter la révélation de la royauté de Dieu. Comment un homme il est capable de faire que Dieu il est son roi. Alors il dit c'est seulement à travers les Midot, ces traits de caractère, ces mesures. Les Midot ça veut dire aussi mesure. On a dit. Bon, je ne sais pas si on l'a dit ici ou je l'avais fait un chiour à Givat Shmuel le jeudi, mais le Rambam, mais ici Rabbeinu il rappelle que les midot, c'est comme sur une échelle. Alors on peut être coléreux 60%, on peut être égoïste 30%, c'est une échelle. Un homme il vient avec son échelle à lui, chacun en fonction de ses midot à lui, il doit améliorer, tout son but c'est d'améliorer cette échelle-là, d'être moins coléreux, d'être plus généreux, c'est toujours un équilibre qui doit tendre vers le bien et s'éloigner du mal. Oui? Alors il dit, Shaledé, Hamidot. C'est grâce au trait de caractère. Ça veut dire qu'un homme, il peut étudier la Torah, mais s'il n'a pas des bonnes midot, s'il ne travaille pas sur ses midot, sur ses traits de caractère, alors il ne sentira pas Hachem, il ne connaîtra pas Hachem. Il n'a pas de keli pour connaître Hachem. Quelqu'un, il peut étudier la Torah, mais c'est quelqu'un de bon, de bien, il travaille sur ses midot, c'est quelqu'un de bon, en respectant l'halakha. Quelqu'un qui ne respecte pas l'halakha, ça va contre l'idée même que Hachem, il est roi. Mais on va dire quelqu'un, moi j'en connais des gens ils sont très des pachoutes, très simples, ils étudient, ils font beaucoup de Tehillim, ils lisent le Zohar sans comprendre, ils font des Devarim Shabbat, ils font des choses très simples, ils lisent beaucoup. Mais c'est des bons pères de famille, c'est des bons maris, c'est des gens, tu les vois quand ils se comportent avec leurs enfants, ils sont pas là à les critiquer, ils sont pas là ils sont là pour les soutenir, tu vois qu'ils ont un bon cœur, c'est des gens bien. Et ça, c'est comme ça qu'on dévoile Itgalut Malchuto, on dévoile la royauté d'Hachem. Donc un homme, il dit, attends, tu sais comment je fais pour dévoiler la royauté d'Hachem? Il va dire, ah, il faut que j'étudie la Torah, ah, il faut que je fasse des mitzvot, ah. Non, la première chose, dit Rabbeinu, avant tout ça c'est sûr, mais avant tout ça, c'est les midot. Les midot, c'est les traits de caractère. Alors, parce que quand on se comporte bien,
Alors on prouve qu'il y a un roi, un Adon, plus qu'un, c'est pas un roi, Adon c'est un maître, qui est Moshel ou Manhig. Il dirige et Manhig c'est dirigé, Moshel il gère et il dirige. Mais Tzimtzem et Haor en Sof Latzdadi. Mais comment Hachem il a fait ça? Il a maintenant pris sa lumière et il l'a séparé, atténué. Très bien, il a atténué, rapetissé, il a atténué sur les côtés, comme s'il avait poussé son or pour laisser la place à la création de l'homme. Parce que s'il y avait, on l'a dit plusieurs fois, si Hachem il avait créé l'homme, il fallait qu'il y ait une place pour que l'homme il puisse avoir ce pouvoir-là de travailler sur ses midot, donc la création du mal. Parce que quand Hachem il était ensof, il n'y avait pas de mal, c'est pas possible le mal. Hachem il est complètement bon. Donc pour qu'il y ait la création du mal, pour qu'il y ait ces traits de midot, là, c'est ces mesures-là qui peuvent être bien ou bonnes ou mauvaises, pour qu'il y ait cette évolution, ce travail sur soi qu'un homme peut faire dans ce monde, il fallait que Hachem se cache, se retire, laisse la place à l'homme. Uftoch ha-chalalapanoui bara olamot. Et c'est dans ce qu'on appelle le chalalapanoui, ce vide, qui n'est pas vraiment un vide, c'est un vide parce qu'il est caché. Hachem, il est présent partout, il n'y a pas d'existence de sens, on l'a dit plusieurs fois, il n'y a pas d'existence propre sans Hachem. Hachem, il est dans la table, il est dans le livre, il est partout. Mais il avait besoin de se cacher, de laisser la place à l'homme. Et c'est dans cette place-là, dans cette chalalapanoui, qu'il a créé l'homme. Va'alev atzayar ala midot. Maintenant, où est-ce que l'homme il peut travailler ses midot? Encore une fois, les midot, c'est les mesures de l'homme. Littéralement, les mesures, ça veut dire les mesures de colère, les mesures de générosité, les mesures d'égoïsme, les mesures de bonté, les mesures de... Toutes ces mesures-là, où est-ce qu'il se trouve chez l'homme, il dit Rabbeinu? Il dit, haïnu, où est-ce qu'il se trouve? Va'alev, c'est dans le cœur. Hu atzayar chez la midot. C'est celui qui dessine les mesures. C'est-à-dire qu'en vérité, le cœur est celui qui va déterminer la mesure, les mesures de l'homme. Haïnou achorma shebalev, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Quelqu'un, il doit posséder l'intelligence émotionnelle. Ça veut dire qu'un homme, il est capable de vivre avec les autres. Il est capable de vivre, d'accepter qu'on le confronte, d'accepter que tout ne va pas comme il veut, d'accepter que l'autre, il existe, d'accepter la place, de lui donner la place à l'autre, de le respecter, de l'aimer. Ça s'appelle... Chokhma chez Balev. Il y a des gens qui ne sont pas capables. Ils sont trop imbus d'eux-mêmes. Ils ont trop d'orgueil. Ils ne sont pas capables d'accepter de donner de la place à l'autre. Ils ne sont pas capables de vivre avec l'autre. Ils prennent trop de place. Et ça, parce qu'ils manquent de Chokhma chez Balev. Et ces gens-là, ils n'ont pas de midot. Ils ont des mauvaises midot. Et ça, c'est une différence fondamentale. Qu'un homme, il doit être. Qu'est-ce qu'elle a vérifié? Pourquoi, voilà, on a passé la paracha d'hier, qu'est-ce que cherchait, la première chose que cherchait Eliezer, qui prit comme un forcené, malgré qu'il sait que son maître, il a de l'argent, malgré qu'il sait que son maître, il est Satamitracham Yitzhak, et qu'il est riche, quand même, il prie comme s'il était un pauvre, qui n'avait pas d'argent, qui n'allait jamais se marier. Il prie de toutes ses forces, parce qu'il sait que ça ne change rien, c'est pas parce que tu as de l'argent, c'est pas parce que tu es un Satamitracham que tu vas avoir une bonne femme, c'est parce que tu pries, les enfants... Le zivouk, tout ça, ça passe par la prière. Celui qui prie, il a. Celui qui ne prie pas, il n'a pas. Donc il prie de toutes ses forces à Kadosh Baruch Hu et il demande une preuve que c'est la bonne. Et la preuve, c'est qu'elle est capable de donner. Elle va le donner à ses chameaux, elle va servir ses chameaux, elle va le servir lui-même. C'est quelqu'un qui a du cœur. Mais pas du cœur seulement de générosité, parce que la générosité, ça peut être excessif, ça peut être trop, ça peut être pas bon. Quand tu es trop généreux avec par exemple, le monde extérieur, eh ben, tu peux être pas assez généreux avec ta famille, ta propre famille, tu peux délaisser ta famille. Donc il y a un équilibre. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des midot tovot. Midot tovot, c'est quelqu'un qui a des bonnes. Quelque chose dans le cœur qui transparaît sur le visage, qui transparaît dans l'action. Quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. C'est pas évident que les gens ils font les choses avec le cœur. Il y a des gens, c'est des robots, ils font les choses par habitude, ils n'ont pas un sourire de la journée. C'est pas une critique, il faut avoir pitié de ces gens-là, il faut les aider. Il y a des gens qui, toute la journée, elles passent, ils n'ont pas un sourire sur les lèvres. Maman, c'est... Et chacun d'entre nous, on est un peu comme ça, on est pas, grâce à Dieu, on n'est pas que comme ça, mais il n'y a pas un sourire, il n'y a pas une appréciation de ce qu'on a sur le moment présent, il n'y a pas une réflexion sur tout ce que Hachem nous donne, il n'y a pas une appréciation de ce que Hachem nous donne. Tout ça, ça construit le cœur. Alors il dit, « Ouvlev kol chacham lev ». Il dit cette phrase qui est très connue dans la Torah, que Akadosh, dans le schéma, c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il donne la chokhma, l'intelligence intellectuelle, à celui qui a de l'intelligence
émotionnel. Et pas le contraire. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il fait très attention à qui il donne de la chokhma. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas des bonnes midot, la chokhma, elle va aller dans le mauvais sens. Elle va aller sur des pentes très très savonneuses, sur des idéaux qui ne sont pas les bons, sur des façons de comportement qui ne sont pas les bons, etc., etc. Donc la première chose qu'un homme, il doit, peut-être pas sur soi-même, parce qu'on est déjà grand et malheureusement, on a malheureusement beaucoup de choses à rattraper dans la vie, mais pour nos enfants, de faire attention qu'ils aient un chokhmat lev, ils aient du cœur à l'ouvrage, du cœur dans leur comportement, même si c'est pas parfait, même si c'est des fois excessif, il faut qu'ils aient du cœur, et nous-mêmes. Mais Karaït Sira, des fois, les gens qui ont du cœur, c'est des gens qui sont entiers, donc des fois c'est difficile de ils n'ont pas de filtre. Des fois, souvent, les gens qui ont du cœur, c'est ceux qui n'ont pas de filtre. Et dans la communauté ou dans la vie politiquement correcte qu'on est aujourd'hui, c'est des gens qui tâchent un peu. Mais sauf, c'est comme dans l'histoire du Chacham et du Tam. Le Tam, il n'est pas accepté par la communauté. Il est moqué, parce qu'il veut pas de cette hypocrisie. Il est comme il est. Il est avec ses chaussures à trois côtés. Et il est comme il est. Mais c'est ça qu'Hachem il aime. C'est quelqu'un d'honnête, c'est quelqu'un de droit avec lui-même. Et il dit, donc c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, il a fait toute chose avec quoi? Avec de l'intelligence. Avec la sagesse. Oui? Tout a été réalisé par sagesse. Kulam bechokhma asita nimsa she'alev hu tsayar. Donc en vérité, ce tsayar, ça veut dire aussi dessinateur. Ça veut dire Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec son cœur. Kaviachol, je ne sais pas que ça veut dire le cœur d'Hachem. Mais ça veut dire qu'il a créé le monde avec son cœur. Nimtsa she'alev hu tsayar, kemo shekatuv tsur levavi ve'it yetzer. Pour rappeler à l'homme que dans son cœur il y a deux compartiments, le cœur gauche et le cœur droit, qui sont les deux yetzerara, le yetzerara et le yetzeratov. Oui, ça c'est connu. C'est que l'idée, elle est que justement pour que ces attributs-là, ces traits de caractère-là puissent avoir une balance, puisse avoir un choix, qu'il y a un choix à faire. Donc on a toujours cette tendance vers le Yetzerara ou cette tendance vers le Yetzeratov, oui. Ou Machashavot, alors il dit ici, Kibishne Yudim, Vehem Shene Yetzarim, c'est les deux côtés, Yetzertov et Yetzerara, le côté bon, le côté mauvais. Haïnu, Machashavot, Tovot, Vehem Yetzertov. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir Yetzeratov? Alors encore une fois, c'est pas dans l'action que le Yetzeratov ou le Yetzerara agissent. L'action, c'est déjà fini l'histoire. C'est dans la pensée, c'est dans l'intention. Le Yetzer Tov, c'est les bonnes intentions que tu as. Le Yetzer Hara, c'est les mauvaises intentions que tu as. Qui a Ekar et Yetzarim, Hem Amarchavot. Parce que l'essentiel du Yetzer, donc de ce penchant, c'est le terme traduit, je ne sais pas si c'est une bonne traduction, en tout cas c'est comme ça qu'on le traduit, c'est l'essentiel, c'est dans la Marchavot, c'est dans les pensées. Va Chokhmot Shebalev et dans l'intelligence du cœur. Kemo Shekatouf, qui Yetzer Marchavot Libo, comme c'est écrit, qui yetzer marchavot libo, comment on peut traduire ça, yetzer marchavot libo, que le cœur, il est le yetzer, il influence les pensées du cœur. Alors que ça veut dire les pensées du cœur? Des fois on le dit comme ça, on réalise pas que ça veut rien dire. Le cœur, il a pas de pensée. Oui, il a une pensée, c'est l'expression des sentiments, c'est ça la pensée. Et du cœur, les envies positives, négatives, exactement. Les Oui, tu peux dire les envies. Il dit ici les marchavot, les pensées, qu'ils soient tovot ou raot, ce qui mène aux envies, mais c'est même avant l'envie, c'est même le hirour, la pensée qu'il y a dans le cœur, qui est exprimée par le sentiment. Le sentiment, lui, il habite l'homme, il habite le cœur. Oui, urshe adam choshev marchavot raot, uru metamtem et achalal shel abriya. Il dit quand un homme il pense mauvais, il pense mal, alors il est en train de metamtem, de. Mais tamtem, c'est pas boucher, ça vient de tum'a. Il est en train de rendre tamé, d'impurifier, très bien. D'impurifier le halal chez la briya, le vide de la création. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'Adash Baruch Hu, quand il s'est retiré, il a laissé une sorte de vide, même s'il est présent encore une fois, que c'est qu'une image. Mais il s'est caché, donc il a laissé une sorte de vide. Un vide qui doit être rempli par qui? Par l'homme. Ce qu'on a dit la semaine dernière, que l'homme, il n'y a rien qui arrive dans ce monde qui est métaken, qui est réparé. Tout est à réparer par l'homme. Si maintenant l'homme,
il n'est pas là pour montrer à Kadosh Baruch Hu qu'il est son roi, pour réparer la création, pour finir de réparer la création, excusez-moi. Donc finalement, il ne joue pas son rôle. Donc il finalement, il est, ce qu'il dit ici, c'est qu'il impurifie ce halal, ce vide. Parce que la nature, vous savez, n'aime pas le vide. Elle supporte pas le vide. Si vous avez même n'importe dans le corps, si vous avez un vide, tout de suite, il va avoir une colonisation de ce vide-là par des bactéries ou par quelque chose de mauvais. Donc si vous laissez un vide à l'intérieur de votre cœur, tout de suite, le rat va prendre de dessus. C'est pour ça que c'est écrit que dans la Gemara, c'est écrit qu'il faut apprendre un métier à son fils. Oui, pourquoi? Pour pas qu'il n'en vienne pas à voler. Pourquoi il va en venir en voler? C'est un bon, une, si ton fils est une bonne personne, pourquoi il va voler? Il dit parce que s'il est occupé à rien faire, un métier, ça peut être aussi la Torah. C'est-à-dire, s'il est occupé à rien faire, forcément que le vide qui va occuper sa vie va être rempli par du rat, par du mauvais. Forcément, c'est la place du mauvais qui prend, que prend la, que prend, c'est le mauvais qui prend la place de ce que tu ne prends pas. Toujours, c'est comme ça que ça marche. Donc, si maintenant l'homme il n'est pas occupé, alors tout de suite le rat il prend la place. C'est pour ça qu'un homme il doit être occupé. C'est pour ça que le travail il a été créé en vérité. Le travail, c'est pas pour gagner de l'argent. Encore une fois, on dit mille fois, l'argent c'est décidé à Rosh Hashanah, de Rosh Hashanah à Rosh Hashanah. Le travail c'est un tikkun, une réparation. Et qui vient, si l'homme il n'est pas en train d'étudier, si l'homme il n'est pas en train de prier, si l'homme il n'est pas en train de faire des mitzvot, alors il faut qu'il fasse quelque chose. Il ne peut pas rester vide. Parce que le vide, c'est le rat. C'est le ramassia, il faut faire, bien sûr. Il faut faire. Alors il dit ici, donc si maintenant l'homme il n'est pas en action, il n'est pas dans le ramassia, alors il vient de metamtem, il vient d'abîmer, il vient d'impurifier, c'est le bon terme, il vient d'impurifier le halal, le vide. Ok? Chez Sham Itgalut Hamidot. Et c'est dans ce vide-là que l'homme peut s'exprimer. C'est très très beau, c'est très profond. Je sais qu'on lit comme ça, mais c'est extrêmement profond ce qu'il explique. Et ce qu'il est en train d'expliquer, Rabbeinu, c'est qu'en vérité, Hachem, il a laissé une place à l'homme. Et que c'est. Pourquoi? Pour qu'il puisse exprimer ses traits de caractère. Il peut être coléreux ou il peut être calme. Il peut être égoïste ou il peut être généreux. Il peut être. C'est Hachem qui le laisse être. Vous imaginez combien il faut être humble pour le roi des rois de laisser l'homme être, de choisir ce qu'il veut être. Et si tu es celui que tu devrais être, c'est-à-dire l'homme calme et serein comme Abraham Avinu et généreux, etc., alors tu prends la place d'Hachem dans le monde finalement. Tu prends la place que tu dévoiles à Hachem dans le monde, donc tu prends la place d'Hachem dans le monde. Tu prends la place que Hachem il avait avant la création du monde, c'est toi qui la prends, à sa place. Parce qu'en fait, il s'est retiré pour te laisser toi. Oui, ah oui, alors on l'exprime, tu as raison. Je suis d'accord. Tu peux le voir comme ça aussi, c'est exactement ce que je suis en train de dire. Oui, mais ça veut dire, c'est quand même toi. C'est toi, c'est toi. Il faut comprendre. La Neshama, c'est une chose. La Neshama, c'est la partie d'Hachem. Mais toi, tu n'es pas la Neshama. On l'a dit il y a 2 ou 3 ans dans un shiur qu'on a fait sur. Si pour Emma Asiot du premier, celui qui cherchait sa fille, tu te rappelles, on avait dit le Bat Meller. Ouais, tu me rappelles. Alors le Bat Meller, on avait dit que là-bas, le second du roi qui cherchait la fille, qui était la fille, c'est la Neshama, qui cherchait la fille, c'est nous. Nous, on n'est pas la Neshama. Neshama, c'est comme je donne toujours cet exemple-là dans la voiture. Il y a le moteur, la carrosserie et celui du conducteur. Le moteur, c'est la Neshama. La carrosserie, c'est le corps. Le conducteur, c'est toi. Mais il t'a laissé toi. Il t'a laissé de la place à toi. Parce que la Neshama ne peut pas être mauvaise. Ouais. La Neshama, c'est Dieu. Donc tu ne peux pas dire à la Neshama d'être égoïste. Tu ne peux pas dire à la Neshama, que tu peux pas penser que la Neshama elle est égoïste ou elle est coléreuse. C'est pas possible une chose pareille. Mais exactement, elle est parfaite. Donc c'est à toi de savoir. Est-ce que tu veux mettre des barrières entre la Neshama et ce monde ou est-ce que tu veux dévoiler la Neshama? Mais c'est toi qui fais le choix. C'est cette place-là que tu prends, c'est Hachem qui te la donne. Il l'a laissé, il s'est retiré du monde pour te laisser la place. Quand on y réfléchit, c'est énorme. Que Hachem, il s'est retiré du monde pour laisser la place à l'homme d'exister. Exister dans le sens d'être extérieur, de dévoiler qui il est. Il peut être quelqu'un de mauvais, il peut choisir d'être quelqu'un de mauvais. Il peut choisir d'être quelqu'un qui cache la Neshama, qui cache Hachem. C'est énorme. Quel roi pourrait permettre ça? Pourquoi oui, il fait tout ça? Parce qu'il y en a que, oui, ils vont choisir le bon. Oui, ils vont choisir de dévoiler Hachem. Oui, ils vont choisir la royauté. Oui, ils vont choisir. Pour ces gens-là, il laisse les autres agir. C'est non mais bon là, ben, franchement moi je trouve quand il dit ça ou chez Adam Khoshev Marchavod Aaron, quand un homme maintenant il pense mauvais ou mitamtem et tachalal chez le Bria, j'ai jamais galoute amidot
Il est en train d'impurifier donc ce vide-là, qui est normalement l'espace de l'expression des traits de caractère, qui enlève, ou des mesures, si tu veux traduire très précisément, qui enlève, ou tsura olamim, parce que le cœur, il est. Hayinu tsura midot, l'expression de qui tu es, de tous ces traits, ces sentiments-là, tous ces traits de caractère-là qui t'habitent. Qui les filles, or la haviyut, halev, shel isha israeli, if charlit galot, mehamidot. Parce que, qui or la haviyuto, hu ad ensof, haïnu ensof, en tachlit, lichukato. Alors venez, on essaie de comprendre. En vérité, il est en train de dire que. Tout le service divin, tout le service de Dieu, il est là pour mener l'homme graduellement et de façon mesurée. Il y a une question, Merkila. Est-ce qu'on peut dire que Hachem est en nous puisque vous avez dit que Hachem nous laisse choisir et agir bien qu'il. Merkila, une seconde. J'arrive pas à afficher plus. Oui, bien qu'il. Puisque vous n'avez rien. Bien qu'il peut intervenir. Alors encore une fois, il faut faire la distinction entre, parce que je pense que ça revient à la question que tu posais, il faut faire la distinction entre la partie d'Hachem qui est en nous, qui est une vitalité, une sorte d'énergie spirituelle qui est continuellement, une sorte de branchement électrique qui est tout continuellement en nous, et qu'est-ce qu'on en fait? C'est deux choses différentes. L'homme, il a une partie d'Hachem en lui, mais ce n'est pas Hachem. Lui, c'est l'expression de l'énergie. Par exemple, on va donner un exemple très simple. Si maintenant il y a une lumière qui émane, vous êtes le filtre. Maintenant, le filtre, il peut être rouge, il peut être vert, il peut être violet, il peut être. Et en fonction de ça, il peut être tacheté, il peut être des fois. Il peut empêcher à certains endroits de passer la lumière. Donc, en fonction de ça, on a l'image sur le rétroprojecteur. On a l'image au fond, qui peut être de différentes couleurs ou qui peut être de différentes formes, etc. etc. Donc, ce filtre, c'est l'homme. C'est ça l'homme. Il a une force néchamatique, il a une force divine en lui. Mais il est ce filtre-là. Et maintenant, c'est ça la beauté. C'est comment. Parce qui se connaît? Personne ne se connaît. Alors, Zira Benou, comment tu veux te connaître? Comment tu veux savoir qui tu es? Bah, tu regardes la photo qui sort. C'est ça que si tu vois sur le mur maintenant la projection de cette lumière-là, est-ce que tu vois exactement la même lumière qu'Hachem t'a donnée, c'est-à-dire une lumière de générosité, de bonté, de cœur, d'amour, de sincérité, d'honnêteté, etc. Ou bien il y a des noirs un peu partout, il y a un peu d'angoisse, il y a un peu de stress, il y a un peu de manque de émouna, il y a un peu de colère, il y a un peu de truc. Et ça, c'est toi. Et c'est pas grave. C'est qui tu es, avec qui tu es venu, c'est les midot que Hachem t'a donné. Ce qui est grave. Et encore, on ne le répétera jamais assez, c'est de rester comme ça. C'est ça qui est grave. Ce qui est grave, c'est de faire semblant d'être triste de ça et de dire, bah, de toute façon, c'est comme ça et c'est tout. Non, c'est pas comme ça et c'est tout. Tout le travail que Hachem nous a demandé de faire dans ce monde, c'est pour ça. C'est pour nettoyer le filtre, pour qu'il puisse être celui qui transmet cette lumière, qui donne la royauté à Hachem, qui montre que Hachem, il est roi dans ce monde. C'est la mitzvah, par exemple, quand on dit que. Maintenant, Shulchan Aruch, c'est rapporté que si maintenant il y a quelqu'un qui. Même un goy, enfin, surtout un goy, qui vous rend la monnaie, il s'est trompé. Il n'y a pas une obligation de lui rendre, sauf si. Ce qui est louche Hachem. Sauf si vous avez une kippa sur la tête, il sait que vous êtes juif, et maintenant il y a un qui louche Hachem. Il y a une révélation du nom d'Hachem ou une sanctification du nom d'Hachem qui peut être faite grâce à vous. Et dans le sens inverse, quelqu'un il sait que vous êtes juif et vous parlez comme un raciste, comme quelqu'un qui a des idées fermées. Alors ça, c'est tout le chilul Hashem. À ce moment-là, vous êtes en train de noircir complètement, vous ne laissez pas du tout passer la lumière. Ça, c'est l'homme. L'homme, c'est ce filtre-là. Et pour que ce filtre il existe, il fallait qu'Hashem se retire. Il fallait qu'Hashem se cache, parce qu'Hashem, il était partout. Vetsarir, letsamtsem, tu vérifies l'heure, hein. Les tzamtzem, j'ai pas moi là. Les tzamtzem, encore un quart d'heure. Les tzamtzem, ah, c'est très très bon. Et il dit que il faut faire très attention d'avoir des bonnes pensées pour que l'expression, pour que le cœur reste vide. Mais pas vide dans le sens pur, qu'il laisse la place à Hachem. Il y a un travail pour que les tzadikim, on le voit. Quand tu vois un tzadik, tu vois Hachem. C'est-à-dire, tu vois une partie d'Hachem.
Pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas. Ils sont dans une telle humilité, un tel travail sur soi qu'ils sont complètement. La lumière, elle passe direct, elle passe complètement. Il n'y a pas de filtre. Il y a presque plus de filtre. Le filtre, c'est un miroir. Aspaklaréa Myriam, elle dit l'Agmara, un miroir clair, comme genre une sorte de vitre claire qui lui laisse passer toute la lumière. Ça, c'est ce qu'un homme il doit vouloir être dans sa vie. Et c'est mamash, l'idée que je crois que tu as voulu ouvrir aujourd'hui, c'est mamash que ce filtre-là, c'est tout le travail de l'homme. Et quelqu'un, il peut fermer les yeux sur le filtre, sur l'image qu'il projette. Ou pas. Ou il peut dire non, l'image que je projette, elle est depuis des années comme ça, et elle n'a pas, peut-être pas changé. À ses yeux, elle a peut-être empiré, ce qui n'est pas vrai, jamais. Toujours on avance, mais quand même, c'est dans l'idée que c'est ce filtre-là qu'il faut essayer de nettoyer le plus possible pour permettre de transmettre la lumière. Et c'est nous qui profitons de ça, les premiers. Alors regardez ce que dit Rabbi Nathan, on finit toujours maintenant un petit peu sur Rabbi Nathan, qui rejoint en principe toujours. Ce que dit Rabbeinu.